Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir à la conférence de professeur Fujimori. Professeur Fujimori est né en 1946 à Shino, département de Nagano, au Japon. Diplômé à l'université de Tohoku, il a continué ses recherches historiques à l'université de Tokyo, où il est devenu professeur. Et jusqu'à l'âge de 45 ans, il a été un historien spécialisé dans l'architecture du 19e au 20e siècle, éclairant notamment le transfert architectural et technologique de l'Occident en Asie. À l'âge de 45 ans, parallèlement à ses recherches historiques, il a commencé à concevoir et à construire lui-même des ouvrages atypiques recourant aux matériaux naturels. Ce soir, à travers ses derniers ouvrages, il nous présentera les usages des matériaux naturels qu'il a développés au fil des années, sa philosophie d'harmonisation de l'architecture à la nature. La conférence intitulée Architecture and Nature. Fujimori でございます。ストラスブルグは2回目なんですけれども、いつ来ても大変水辺は素晴らしい。大変嬉しく思いました。C'est la deuxième fois que je suis venu à Strasbourg. J'admire l'espace très, très animé au bord des canals. Très belle.今日は皆さんの前で話ができることを大変嬉しく思っております。Je suis très heureux de pouvoir faire une conférence devant vous ce soir. これから私の仕事を紹介するんですけれども、おそらく皆さんがあまり見たことのないようなものがたくさん出てくると思います。Les ouvrages que je vais vous présenter ne ressemblent peut-être àrien que vous connaissez. っていうのは私の建築のテーマというのは自然、まあ木とか川とか石とか水と人間の作った建築の間をどういうふうにこう一致させるかっていうのが私の大きなテーマです。Mon sujet personnel, c'est de trouver une harmonie entre la nature.C'est-à-dire la création des dieux et l'architecture comme création de l'homme. 現代の建築というのはやはり自然とうまく合っていない非常にこう対立的な表現をしている。そのことが私はやはり良くないことだと考えています。Je regrette que l'architecture contemporaine ne se marie pas très très bien avec la nature où on cherche notamment l'expression qui fait un peu contraste avec la nature. しかしその現代の建築の持っているこう進んだ技術っていうのは大変こう魅力的な面があるわけです。Pour moi, les technologiesde construction et des matériaux modernes est très intéressant. で、その進んだテクノロジーとこの自然の関係をどういうふうに現代の建築の中で結びつけるのかっていうのが私の大きなテーマです。Et donc mon sujet c'est de trouver une harmonie avec la nature tout en profitant des technologies contemporaines.で今まで長いこといろんな世界の建築を見てきたわけですがその中で私が自然との関係が非常にうまくいっていると思った3つの建物を最初に紹介したいと思います。Bon, je voyage partout dans le monde pour regarder l'architecture de quatre coins du monde.Et je vais présenter trois exemples qui
sont très réussis en termes de harmonisation avec la nature. C'est une architecture totalement inconnue. C'est moi qui l'ai découvert en Portugal. C'est un villa du père de Le Corbusier. Le Corbusier s'est inspiré de cette maison pour eux concevoir le chapelle de Longchamp. Et bien sûr que ce n'est pas vrai. C'est une petite maison que j'ai trouvée en Portugal, construite entre les deux roches. C'est un peintre qui l'a construit lui-même pour eux, comme son atelier. J'ai notamment été impressionné par la continuité de la nature à l'architecture. Vous voyez dans l'image. Il se trouve sur une butte près de Porto, côté Espagne. C'est la grande mosquée de Djenné, Mali, construite en Bob. Vous voyez, en fait, il n'y a aucun joint qui existe dans cette architecture. J'ai eu l'impression que le terrain était dans la continuité avec la mosquée qui continue, qui monte le mur, qui passe derrière. Tout est continu sans joint. Et j'ai eu l'impression que ce bâtiment était totalement différent de l'architecture habituelle. Car l'architecture habituelle comporte toujours des joints à cause du fait qu'il y a un mélange des divers matériaux. Mais les créatures naturelles ne comportent pas de joints. Le corps humain, les animaux, les plantes. C'est parce que les créatures sont faites à partir d'une cellule. Grâce à la division des divisions cellulaires.
生物には罪がない、建築には罪がある。これが大きな実は差だと思います。Je pense donc la différence essentielle entre les créatures et l'architecture, c'est la présence de joints. そのことを知ってるからおそらく建築家というのはですね、この継ぎ目をどういうふうにきれいにやるかってことが非常にこう敏感なんだと思います。C'est probablement pourquoi les architectes sont très sensibles à faire des beaux détails. ところが泥の建築というのは建築でありながらまるでこう自然物と同じように継ぎ目がないって、それが非常にこの泥の建築というのが我々に不思議な感情を与える一番の原因だと思います。Donc si cette mosquée est très étrange pour nous,C'est parce que c'est une architecture qui ne comporte pas de joints. C'est un temple au Japon qui a été construit il y a à peu près 1000 ans. En Japon, il y a une religion de la nature. C'est une religion de la nature. C'est une religion崖を登るとか、滝に打たれるとか、あるいは洞窟の中で木の根とか草の根だけを食べて暮らすとか、そういう厳しい修行をした後、ここにこの中にこもって仏様に挨拶をして、それから普通の人々のところに行って病気を治すとか、予言をするとか、雨を降らすとか。まあ、そういうことをやる、そういう自然信仰の非常にこう一番大事な場所です。大変ですね、その。La religion traditionnelle japonaise, c'est une sorte d'animisme, croyance en nature. Les croyants restaient dans la nature.Toute seule, par exemple, restait sous la chute d'eau ou mangeait des racines des plantes en survivant. Et à la fin de ce genre d'exercice très très dur, il arrive enfin à ce lieu sacré pour faire un salut au Bouddha.Et ensuite, ils vont descendre la montagne, ils vont obtenir donc une sorte de force naturelle, ils vont rencontrer les peuples, ils ont une force particulière, ils deviennent capables de guérir.Faire guérir les gens. で、この中から外を見た景色を次にお見せします。はい。C'est la vue depuis l'intérieur. で、これを見たときに、今映っている山はそんなに大した美しい山ではないんですけれども。この建築の枠組みを通して見ると、とてもその何か山の持っている聖なる力というようなものを感じることができるわけです。La montagne en face n'est pas tellement belle et elle n'est pas considérée comme un lieu sacré, mais grâce à l'effet de cadrage de l'architecture, on a l'impression que cette montagne même.À quelque chose de sublime. ですから建築には自然の持っている力とか美しさっていうのをこう非常に強調する力がある。まあそのことをこの建築から学んだわけです。J'ai appris grâce à cet exemple que l'architecture a une force de faire ressortir la force de la nature.
で、まあ、こういう建築であっても非常にこう自然とあるこう調和をした非常にこういう自然といい関係を持っている建築のあり方、そういうものを私も現代建築でやってみようと考えてたわけです。Ces exemples m'ont incité de faire, de réaliser des bâtiments en harmonie avec la nature. 私自身は実は建築の歴史の専門家であって。学生時代はもちろん建築の教育を受けてますけれども、大人になってからは設計をずっと45歳までしていませんでした。J'ai bien sûr reçu une formation d'architecte, mais comme j'ai été spécialisé en histoire jusqu'à l'âge de 45 ans, jusqu'à cet âge, je n'ai jamais conçu un bâtiment.45歳の時にふるさとで小さな建物を頼まれまして、まあ、それから建築の設計をするようになったわけです。À l'âge de 45 ans, j'ai conçu pour la première fois dans ma vie pour mon village natal, à Shino, Nagano. はい、じゃあ次は。これが後ろに見えている山が神様がいる山です。La montagne derrière est un lieu sacré. Il y a un dieu qui y habite. で、この家の神官が拝むとこの神様、この木を伝わって降りてきます。その木を伝って？うん、この木を伝わって下に降りてくる。ah. そこから飛んできてくる。D'accord. Donc le dieu descend à la terre.Grâce à cet arbre, et en fait, à la gauche, il y a une maison de prêtre donc qui communique avec le dieu. その山の Spirit of Mountain, 唯一この家の人だけがコントロールできる。Et seul ce prêtre est capable de communiquer, contrôler l'esprit de la montagne. そして恐らく2000年近くずっとこの家はこのスピリッツをコントロールしてきた。Ça fait déjà plus de 2000 ans que le prêtre continue à communiquer. La famille, donc les descendants de prêtres communiquent avec le Dieu. ヨーロッパだと考えられないかもしれませんけれども、日本ではほとんどその外国が攻めてくるということがありませんので、本当に天皇家もそうですけども、ずっと古い伝統という持った家が1000年とか2000年続くというのはそんなに珍しいことではない。Si la tradition dure aussi longtemps au Japon, c'est parce que le Japon n'a jamais été menacé par l'attaque des étrangers. で、この家の資料を入れるための博物館を作ることになったわけです。Et j'ai conçu donc ce musée qui comporte les trésors et les archives du prêtre. ところが、その文化財ですから、現代のコンクリートの建物で作らなくちゃいけないんです。これは火事と地震の問題からです。Comme c'est un bâtiment comportant les trésors national, j'étais obligé d'utiliser l'acier et le béton pour des raisons de résistance au feu et au séisme. そうするとどうしても現代建築になるわけですけれども、現代建築はですね、少なくともこの周りの環境やこの家が守ってきた信仰とは合わないわけです。Mais je n'ai pas voulu concevoir un bâtiment ayant une apparence moderne, contemporain, parce qu'il ne se marie pas avec le site et avec la longue tradition de prêtre. Et dans ce environnement, il y a de nombreuses maisons traditionnelles, mais plus que cela, on exprime plus longtemps l'époque ancienne.
Je n'ai pas voulu m'inspirer des maisons traditionnelles aux alentours parce que cette maison de prêtre a une tradition bien plus longue que ces maisons. そうすると現代建築の表現でもダメだし、それから日本の普通の伝統的な建築の表現でもダメ。それで要するにどこにももうそのこれをこの建物の内容を表現するにふさわしいものがないという非常にこう困った状態になったわけです。Il était donc très difficile de trouver une expression convenant au musée. それで私が決めたのはまずコンクリートで作る。そしてその外と内側はできるだけ自然の素材を荒々しく使う。でなおかつどの国の伝統とも関係ないものを作ろうと思ったわけです。La solution finale que j'ai trouvée, c'est d'utiliser le béton ramé comme structure pour tous et de le couvrir par des matériaux naturels très très rugueux et qui n'a rien à voir avec les styles architecturaux existants. Oui, c'est ça. これはコンクリートで作られてまして、ここに泥を塗っております。Vous voyez donc la partie en béton, mais il est la finition de la surface c'est en bourbe. で、ここは割った板を使っています。これは製材っていうんじゃなくて刃物で割った板をこれは使っております。La partie en bois.Ce ne sont pas de plaques sciées, mais ce sont des plaques fondues, suivant une technologie très très ancienne. おそらくもう非常に複雑な、要するにスタンディングウッズって言ってスタンディングストーンのようなものです。Bon, ce sont des poteaux qui symbolisent donc la présence des dieux, un peu comme les mégalithes en France. 日本の神様は必ず自然の木にしかおりません。こういう切った木とか皮をむいた木には絶対降りてこない。Donc les dieux japonais ne descendent jamais aux arbres déjà morts. Donc ils ne descendent pas sur ces poteaux. Ils descendent uniquement sur les arbres vivants. Oui, merci. Le détail très rugueux des plaques en bois fondues. Oui, c'est le meilleur.これを作ったのが25年ほど前ですけども、Cela fait 25 ans que je l'ai conçu. まずその村の人たちですね、は非常にこう評判が悪かった。なんでこんな汚い昔風のものを作るのかっていう。Ah, les habitants du village ne l'ont pas tellement apprécié. Ils préféraient avoir quelque chose de moderne et propre.それから普通の建築家たちもやはり一体何をお前がしようとしているかわからないということで評価してくれなかった。Et les architectes en général n'ont pas compris son intention. 唯一評価してくれたのがですね、まあ私とちょうど同世代で、安藤忠雄とか伊藤豊とはまあ昔から親しいんですけども、彼らだけがですね、その何をやろうとしているかよくわからないけども、とてもなんか大事な問題があるようだからということで評価してくれました。Seuls les architectes de même génération, comme Tada Ando et Toyo Ito, l'ont apprécié, même s'ils ne comprenaient pas tout à fait ses intentions.
ils ont senti quelque chose d'essentiel. で、まあ、それで、それ以降ですね、大体年一つくらい依頼がありまして、作っております。Depuis, je conçois et construis à peu près un bâtiment par an. はい、次どうぞ。これはですね、板をどう使うかということですけれども、板のですね、耐久性を強めるために、表面を焼くっていう技術が日本にはあります。Pour rendre les plaques en bois plus résistants à la pluie, il y a une technique traditionnelle qui existe au Japon, c'est de brûler leur surface. 普通はですね、2メートルくらいの板を焼くわけです。Normalement, bon, la hauteur de chaque plaque ne fait que 2 mètres.これは8メートルを今焼いております。Mais là, dans cette photo, je suis en train de brûler les plaques de 8 mètres de longue. で、普通は12ミリくらいの表面を3ミリ焼くんですけれども、それではですね、やっぱ炭としては表現が弱いので20ミリを10ミリ焼きます。つまり 10ミリの炭が表面にできるようにしております。Et l'épaisseur de la partie en charbon, c'est normalement 3 mm par rapport à 12 mm au total de l'épaisseur, tandis que j'ai utilisé des plaques de 20 mm et j'ai brûlé la moitié. La photo montre la méthode traditionnelle très efficace pour eux, pour ça. Il suffit de composer trois plaques pour faire une sorte de cheminée et d'insérer à la base un papier journal et il suffit de mettre du feu. Au bout de 10 minutes, on obtient... On obtient les plaques brûlées de manière très homogène. Voici la surface carbonisée. Et cet état peut être conservé pendant 80 ans. Donc c'est l'exemple comportant les plaques carbonisées. Au début, j'ai essayé de d'espacer un peu plus les plaques brûlées. そうしますと、イギリスの木造のチューダーっていうスタイルがありますけども、チューダースタイルに非常になんかイメージが似てしまって、それでやめました。Mais j'ai abandonné cette idée parce que le bâtiment ressemblait au style Tudor anglais. それから1対1にだいたい試してみました。Et ensuite, j'ai essayé un espacement, espacement égal à la largeur des plaques. 日本ではですね、白と黒の1対1の幕というのはお葬式の幕なんです。それでやっぱりそれもやめました。Mais cela ressemblait aux toiles de funérailles traditionnelles japonais. それで今は白の部分を少しにして黒をたくさんにしてこういうふうに並べております。Bon, c'est pourquoi j'ai enfin décidé de réduire l'espacement, donc les espacements en blanc. でここは芝生っていうのは僕はあまり好きではなくて笹っていうあんまり日本にしかあまり使わない植物があるんです。その笹というので
ずっと植えております。À vrai dire, je n'aime pas trop les pelouses et c'est pourquoi j'ai planté un type de bambou qui n'est pas très populaire en dehors du Japon. はい。これが8メートルの焼き杉です。Vous voyez donc les plaques de 8 mètres. はい。これはあとで、まとめて説明しますが、茶室です。ティーセレモニールーム。C'est la partie en porte-à-faux. C'est un petit pavillon de thé pour la cérémonie du thé. はい。この中はですね、この住宅の中ですけれども、フランスで、ラスコーの近くに行ったときに、古い洞窟の住居を見まして、大変こう強い印象を受けまして、以来、その住宅は洞窟のように作るというふうにしております。Lorsque j'ai visité la région de Lascaux, j'étais impressionné par des maisons dans la grotte. Et depuis, je m'inspire très souvent de ce style de maison en grotte. Le plan, 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 前の方に一箇所しかなくて全面的に開いているということです。Les principaux de maison en grotte, c'est que l'ouverture, c'est qu'il n'y a qu'une seule ouverture. それと床と壁と天井が同じ材料でできているということです。Et les matériaux du sol, les parois et le plafond sont tous identique. 普通建築で床と壁と天井を同じ材料で作るということはやらないわけです。Ce qui est très très différent de l'habitude de l'architecture habituelle. はい。でここに火が必ず置くようにしてる。Il y a un foyer au fond.で今この壁がありますが、その向こうに台所があります。Et derrière le mur, il y a une cuisine. はい、次どうぞ。で、これはこの焼き杉をオーストリアでやった例です。J'ai également employé le matériau, les plaques de cypress brûlées en Autriche. これはコウノトリが飛んでくる。これが今オーナーの家の隣の敷地ですけども、この鳥が飛んでくる場所を作って、そこをゲストハウスにしたいというそういう計画で作りました。C'est une petite maison qui accueille à la fois des cigognes et des invités. はい。まあこれが入っていくとこです。C'est l'entrée。でこれはコウノトリが泊まるための木を切ったんですが、それで余った枝から作った柱です。Lorsque j'ai fabriqué donc des colonnes pour les cigognes et j'ai eu plein de chutes.Et je les ai utilisés comme poteau soutenant la toiture. Oui, c'est ça. De, これは人は40センチあれば入ることができる。Si la largeur de si il y a une ouverture de 40 centimètres de largeur, l'homme peut normalement rentrer.これは日本の茶室っていうのはですね、非常にこうちっちゃなところから入るんで、でいろいろこう試してみたんですと、40センチあると十分入れるってことが分かったわけです。C'est une entrée inspirée de petite entrée traditionnelle des pavillons de thé japonais. Et j'ai fait plein d'essais et j'étais convaincu que 40 centimètres était suffisant.
ところが作ってみると、オーストラリアには、オーストラリアには40センチで入らない人もいる。Mais, mais en, en Autriche, la situation était différente. Il y avait. Bah, il y avait des gens qui ne pouvaient pas traverser la porte, même latéralement. Et vous voyez donc l'extérieur de, du foyer. Et enfin, j'étais obligé de créer une autre ouverture de 1 mètre de largeur. Oui, merci. これはあの暖炉、これが結局入れない人がいるってことで、こちらに暖炉、あのドアを作るんです。これがあのまあ暖炉で。Vous voyez donc la l'ouverture, petite ouverture à la droite. La grande ouverture d'un mètre de largeur n'apparaît pas dans, dans la photo, mais il se trouve à gauche et au centre le foyer. 今気づいたんですが、私がマイクを使う必要は全然ないという。煙が出ますんで、ちょっとこう煙の感じで炭を焼いた炭をつけてみたんです。だけどなんかね、あのどうもあんまり建築っていう感じがしないんです。何かこう絵のような感じがして、あのまずいと思ったわけです。Pour en fait exprimer la, la fumée qui sort, j'ai commencé à installer des petits, petites pièces de charbon, mais cette apparence ne m'a pas plu tellement parce que ça ressemblait un peu au manga ou à un tableau, c'était pas très architectural. Et enfin, j'ai décidé de continuer. でまあ、これでやっとあの建築っぽくなったというふうに私には思ったわけです。Et enfin, j'ai obtenu un espace plus architectural. でこれをやっている最中にですね、あのウィーン工科大学の学生、まあ、学生と一緒にがですね、あのこういうところを見て、トトロだ、トトロだって言うんですね。Bon, ce sont des étudiants de l'Université technique de Vienne qui m'ont aidé à faire ces travaux. Et en regardant les parties denses, ils ont dit Totoro. Ça vous dit quelque chose ? Totoro, en dedans, ですね、あの、マクロクロスケっていう。あの古い家に取り付くお化けが出てくる、あれにやはりちょっと似ているということで、まあ、この辺は割とトトロを意識してこういくつか やりました。Parce qu'il ressemble au fantôme tout à fait noir qui paraît dans le film de Miyazaki. はい、次。あ、これあの以上がですね、あの自然の材料をどういうふうに使うかという。Je vous ai donc montré mes recherches d'utilisation des matériaux naturels. De, その中で私がやった方法というのは3つの特徴があります。Mes méthodes ont trois principaux. それはですね、コンクリートとか鉄とか、あるいは木であればエンジニアリングウッドって言いますけども、まあ、合板とかそういう科学技術が生み出した技術っていうのは積極的に使います。ただし見えないところに使います。 Le premier principe c'est que j'utilise à fond les fruits des technologies contemporaines quel que soit le matériau, le béton, le bois, l'acier, etc. Mais je les utilise toujours dans des parties non visibles.
そして、その表面に必ずその自然の材料をできるだけこう荒々しくそれで貼っていくわけです。Et j'applique par-dessus des matériaux naturels de finition très rugueuse. で、そのことを理論的に言うならば、科学技術を自然で包むっていう、まあ、そういうやり方がです。On peut dire que je couvre, les technologies scientifiques par la nature. で、2番目の特徴はですね、いつの時代のどのようなデザインにも似てはならないっていう。Le deuxième principe que je m'impose, c'est que mon architecture ne ressemble pas à un style d'architecture existant. そしてもう一つ、三つ目はですね、私が常にこう参考にしているのは、エジプト、青銅器時代より前のですが、新石器時代の技術とか表現というのが私にとって一番こう参考になります。La troisième chose, je m'inspire toujours de l'architecture de l'âge de pierre avant l'âge de bronze. で、新石器時代というのは世界中人類がほとんど同じことを、同じ表現、同じ技術を使っていた時代です。À l'âge néolithique,les hommes de quatre coins du monde utilisaient des matériaux et expressions très très similaires. で、青銅器時代から初めてエジプトとかですね、メソポタミアとか中国とか、その地域固有の表現というのができてきます。Et à partir de l'âge de bronze, chaque civilisation commence à développer leur propre style, Égypte, Mésopotamie, Chine, etc. ですから、新石器時代までは実はインターナショナルなんです。建築も人類の表現というのは新石器時代まではインターナショナルです。On peut donc dire que l'expression de l'âge néolithique est internationale. で、20世紀建築、20世紀でもインターナショナルです。Et c'est également le cas du XXe siècle. ですから人類のその建築とか表現の歴史っていうのはですね、最初にインターナショナルがあり、現在にインターナショナルがあるっていう、最初と最後にインターナショナルがあって、その間に各国の固有の表現があるっていう、そういうように私は今歴史を理解しております。Donc ma compréhension de l'architecture mondiale, c'est que il y avait une époque internationale au début, ensuite il y avait une division très très riche, et ensuite on est en train de devenir redevenir une époque internationale. ですから、例えればちょうどアメ玉のようなもので、真ん中にその各国や各文化や宗教が生み出した非常にこう美味しい飴の部分がある。で、最初と最後にギュッとこうにインターナショナルっていう、そういうふうに私は歴史を理解しております。C'est un peu comme les bonbons recouverts de papier. Les extrémités sont très très fins et au milieu très épais, très riche. 次にですね、自然の素材をどう使うかということは、まあ、うまくいってきたんですけれども、次に自然を直接建築の中に取り込む実験について話したいと思います。Et donc, on va passer au deuxième sujet. C'est l'intégration de la nature dans l'architecture.で、20世紀の建築家で自然を積極的に取り込もうということを主張したのは、まあ、一人しかいない。それはルッコルビジェです。Dans
au XXe siècle, seul Le Corbusier a insisté d'intégrer la nature dans l'architecture. Il a publié donc cinq principaux architecturaux. Le premier, c'est Piloti, et le deuxième. Le deuxième, donc le jardin sur le toit. で、コルビジェが屋上庭園をどうやったかってことをあんまり検証した人はいないんですけども、コルビジェはですね、初期にある小さな家で全面的な屋上庭園をやります。dans un des premières maisons qu'a conçu par le Corbusier, il a essayé de couvrir totalement l'ensemble de la toiture par la végétation. 失敗したと思ったと思います。というのはですね、まず屋上庭園の場合はですね、一つは雨漏りのものがあった。もう一個は建築と植物はですね、横に並んでいるときは非常にこう素晴らしいんですが、建築に取り入れた途端にその美学の間の矛盾がものすごくとなって克服ができないんです。Mais il a a priori abandonné à développer cette idée à cause probablement des problèmes de d'étanchéité et que lorsque la végétation, la nature est à côté de l'architecture, le rapport est bien, mais lorsque la nature arrive au-dessus de l'architecture, on obtient un effet très bizarre. コルビジェがサボア邸を皆さん行ったことあると思いますけど、屋上庭園を遅くやっているってことにあまり気づいた人がいないと思いますけども、ちゃんとやっております。次にどうぞ。Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a un jardin sur le toit au Villa Savoie? ここでやっている。ここでやってます。つまり見えないようにやってる。人に気づかれないように。でもこれは屋上庭園です。なぜならビルドインされてますし、水がありますし、土がありますし、緑があります。だから植木鉢ではない。だからコルビジェは初期最初に一度試みて以降、できるだけこう気づかれないようにでもやるというのが一貫しております。Ce qu'on peut dire, c'est que Le Corbusier aménage toujours ces jardins sur le toit de manière invisible et il est important de signaler que ce ne sont pas de pots à fleurs mais ce sont des éléments architecturaux qui accueillent les plantes où il y a de l'eau, de la terre sur un élément architectural. おそらくコルビジェが5つの原則のうち2番目に取り上げながら屋上庭園を以降やらなかった一番の理由はやはり美学的に美的にですね建築と植物が一体化した場合に非常にその間の矛盾が大きくなるっていうまあそのことだったと思います。Si Le Corbusier n'a pas sérieusement développé cette idée, à mon avis, c'est parce que esthétiquement, la végétation et l'architecture ne se marient pas de cette manière. Oui, 次どうぞ。これは日本の屋上庭園の例ですけれども、やっぱり建築と緑っていうのは一致していないんです。C'est un exemple au Japon, Fukuoka.On voit que la nature ne se marie pas réellement avec le bâtiment. 非常にその植物と建築というのをですね、一体化した時の美的なコントロールというのがものすごく難しいんです。Il est vraiment difficile d'atteindre une esthétique satisfaisante. はい。僕が割と建築と植物がうまくいっていると例をいくつかしよう。これは日本の例で、かやぶき屋根の上に植物を植える、そういう伝統があります。C'est une maison traditionnelle au Japon.
Sur les toits de chaume, nous avons une tradition de faire pousser les herbes. Un autre exemple, en fleurs. およそ 100 年前の日本ですけれども、全部植物が植わって、どんなちっちゃなものにも、こんなにちっちゃな家でも植われる植物を植えるのが日本の伝統でした。On ne voit peut-être pas très très bien, mais sur toutes les toits, on aperçoit des plantes.Au sommet des toitures. C'est une photo prise il y a à peu près 100 ans. C'est un exemple en France. Au fond, on voit la Seine.おそらく皆さんあまり知らないと思いますけど、この村に行きますと、この村のすべての屋根の上には草が生えております。Sur toutes les toitures de ce village, je ne suis pas très sûr de d'orthographe, mais toutes les toitures sont plantées. はい。大変綺麗です。Très belle, harmonie.それで現在日本とフランスのノルマンディ地方にだけこのやり方が伝わっております。Cette technologie et expression existe uniquement au Japon et en Normandie. もしパリでこれを見ようと思ったらベルサイユのアモへ行ってください。アモの屋根には全部草が植わってます。Si vous voulez voir un exemple à Paris, il suffit d'aller à Amo.De château de Versailles. で、おそらくこれは新石器時代くらいのユーラシアのです。大陸の寒い方で行われていた屋根の上に土を乗せて草を植えるというその伝統の名残がですね、日本とこのノルマンディに地方に残った。で、ノルマンディ地方はおそらくノルマン人がもたらしたものだと思います。Alors, cette tradition provient probablement d'une tradition du Nord. Dans le Nord, on couvrait la toit de chaume par de la terre et plantait sur toute la surface.Et cette technique a été certainement transmise par les Normands en France. Oui. Et その やり方をここで試しました。Donc j'ai essayé la même technologie dans ce musée sur la toit. Oui. この形は昔の向こうの山に合わせて作りました。La forme de la petite toiture était déterminée de manière qu'il soit en harmonie avec la montagne derrière. はい、次。なんかですね。はい、次。C'est la vue d'intérieur. これはですね、てっぺんに木を植えた例です。C'est un exemple comportant un arbre.Au sommet. はい、どうぞ。で、これをやったんですが、ちょっと心配になったのはですね、これが人の顔に見えるんです。Est-ce que vous avez l'impression que le bâtiment ressemble à un visage? で、日本のではですね、こう殿様っていう人がこうちょんまげを乗せる。で、これはバカな殿様っていう意味なんです。バカ殿様。で、バカ殿様に見えてしまうってことに気づいたわけです。Et ça ressemble un peu à l'image de shogun stupide, très répandu au Japon. Et j'avais peur que
ça va, le client ne soit pas content de le voir. それでもし選手がですね怒ったらまあや切ってしまえばいいと思っておりました。 Et donc j'avais l'intention de couper l'arbre si ça ne plairait pas à le client。 でちょうどあのクリスマスのシーズンに選手が来たんです。で選手が見まして笑ったんですね。Le client est venu voir le bâtiment, la maison, juste avant Noël. Et il a bien rigolé, et je me suis donc soulagé. J'avais à vrai dire préparé une petite surprise. Donc l'arbre éclairé, le client était très content. En général, mes clients sont très adultes, très cultivés, et ils sont pour le moment toujours très contents. で、建築の緑化はもうこれが私は一番やった例で、これ以上たくさんやる気はありません。C'est un exemple comportant énormément de végétation et je ne compte pas faire plus. で、これはあの伝統的なやり方で、まあそれに習ってここ石を張り間に草を植えるということをやったわけです。La partie gauche c'est un parois traditionnel et bien évidemment la partie neuve s'inspire de même configuration. で、これは土の厚さは3センチだけです。Et l'épaisseur de terre installé comme joint et sur le toit, ça ne fait que 3 cm. Et les petits éléments qui sortent de la toiture reçoivent les plaques d'échafaudage pour l'entretien, pour retirer les mauvaises herbes. La vue d'intérieur. これはですね、私があの建築の緑化の理想はですね、人間の体からこう産毛が生えるように建築から植物を生やしたいっていう、それが私の理想です。Mon idéal, c'est que la nature, donc la végétation, pousse à partir de l'architecture comme si les duvets sortent de pores. Et j'ai décidé donc de planter de l'ail odorant sur l'ensemble de la toiture. Et vous voyez donc les détails techniques. Et avec des amis, je suis en train de planter. Et puisque les professionnels constructeurs ne font pas ce genre de travaux, c'est toujours moi avec des amis qui fait ce genre de travaux. Oui.
Vous voyez donc les détails techniques de, d'alimentation d'eau. La partie droite, c'est toujours un petit pavillon de thé. この右手は茶室です。それ言いました、先生。えっと、で、これがうまく育つかどうかわからなかったんですけども、夏になりましたら、セシが日曜日に来てくれということで、枯れたと思ったんですけれども、行ってみると、枯れていませんでした。 J'avais peur que les plantes n'allaient pas pousser bien à cause de la chaleur. Et on était, le client m'a appelé, j'avais peur qu'il soit déjà mort. Mais ils étaient tous en fleurs, j'étais impressionné. Je pense que c'est un des meilleurs exemples parmi mes réalisations en ce qui concerne l'harmonisation de la nature et l'architecture. En regardant la photo, on ne peut pas deviner si c'est une architecture ou un champ agricole. C'est la petite toit au-dessus de pavillon de thé. Mais bon, これも やはり 問題があって 3 年 したら こう 根詰まりが起こって 花が 咲かなくなっちゃう。 Au bout de 3 ans, par contre, on a rencontré un problème. Les plantes ne sont plus en fleurs à cause du fait que les racines ne pouvaient plus développer. Et le deuxième problème, c'est que le client est devenu vieux et il ne pouvait plus faire l'entretien très régulièrement. Si l'architecture végétalisée est très difficile, c'est premièrement pour des questions techniques et deuxièmement pour des questions d'entretien. Et à partir d'ici, je vais vous présenter quelques exemples de pavillons de thé. これは基本的な茶室ですけども 茶室というのは400年前にビルディングタイプとして日本で成立しました。 Ce type de bâtiment a été perfectionné il y a 400 ans déjà. それでこれがだいたい 3.2 メートルです。 Alors ça fait 3,2 mètres au total. こちらも 3.2 メートル四方を使います。 Donc l'ensemble de plans fait 3,2 mètres par 3,2 mètres. で、一番小さいのはここだけ使います。 Mais la partie utilisée pour la cérémonie de thé, c'est uniquement le petit carré. で、こちらは準備に使います。準備のための部屋です。 Et le reste ce sont des espaces de service pour la préparation. そしてここに Vous voyez donc un foyer au coin de petit carré, c'est là où on bouille l'eau. そしてこの内側は 1.8 mètres. La largeur de l'intérieur de paroi ne fait qu'un mètre 80 centimètres. で 1.8 mètres 四方の中で狭いやつはですね、2人の人が
Et dans cet espace, le client et l'invité dégustent un thé. で、ここは床って言いまして、ここに絵をかけたり、ここに香炉って言いまして、匂いのする炉を置いたりする。ここは飾る場所です。L'espace au fond sert à installer des fleurs, des tableaux ou comment on appelle des enceintes.そして、ここに主人が座ってお茶を立て、ここにお客さんが座ってお茶を飲みます。Le donc le propriétaire s'installe juste à côté du foyer et l'invité en face。で一緒にいろいろ話をしながら、特にあの話はですね、こういう美術品とか使ういろんな道具についての鑑賞をこれがいいとか悪いとか。話だいたい4時間をここで2人で過ごします。Et les deux personnes passent environ 4 heures en discutant des œuvres exposées, en faisant des critiques. で、この全体を使うときはですね、3人とか4人です。で、使います。Bon, si pour des cas de pavillon d'hôtel plus grand,Donc là, ça correspond à l'ensemble de carrés. Ça peut accueillir 3-4 personnes. Et vous voyez donc l'entrée, la petite entrée en bas à droite. C'est vraiment très petit. Et moi, je suis allé à la maison de la J'ai construit une fois pour l'ex-premier ministre japonais, Hosokawa. Lorsqu'il a voulu inviter Monsieur Chirac, その時に大使館のフランス大使館の人がここの寸法を測りに来た。それはシラクが入れるかどうかというためです。Et alors, un ambassadeur est venu mesurer la taille, les dimensions de la petite entrée. で、その時分かったんですが、あのシラクはですね、写真を見ると結構大きく見えるんですね。あの皆さんと並んでる。だけど相当ちっちゃい人だっていうのがこの寸法で分かりました。Et je me suis rendu compte que M. Chirac n'était pas très grand, contrairement à l'impression qu'il donne. D'après moi, son gabarit était très similaire à celui d'un japonais. これがあの400年前に利休っていうそのこの茶室っていうビルディングタイプを作った人の作品で 1.8 メートル四方です。Donc c'est cette photo correspond au plan que vous avez vu. Il a été réalisé par le maître de thé Sennō Rikyū il y a 400 ans. そして外は絶対見えません。こういうあの障子から紙から障子から光は入りますけども、目の高さに開口部が開いていないので、外は見ることができません。C'est un espace très très fermé. Il n'y a à vrai dire pas d'ouverture. Il y a uniquement des entrées de lumière. そしてこの中で4時間いてても友達とやっぱ飽きることはないし、非常にあの空間をですね。豊かな空間です。Malgré tout, l'intérieur de l'espace est très très riche. On peut y rester 4 heures sans problème. ちょっとじゃあ茶室のことでちょっと説明をしたいので、ちょっと明かりをつけて。はいはい。あ、こっち。このこれが 1.8 メートルっていう寸法はどういうことか。
日本のモデュールっていうのはこれが90センチです。で、これが、これはですね、畳というのは人がこうなった大きさです。この大きさが畳の大きさです。で、これを見ると分かりますが、実はこれはレオナルド・ダ・ヴィンチの書いたあれと同じなんですね。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチが建築の基本的な単位として書いた絵とをそのまま実際に行ったのがこの茶室なんです。で、利休はレオナルド・ダ・ヴィンチとは時代は重なっていませんけど、ミケランジェロとは同時代の人です。セノリキュー est un peu plus jeune que Léonard de Vinci. Il est contemporain de Michel-Ange. ですから、おそらくヨーロッパでも日本でも当時そういう基本的な建築というものの基本的な単位っていうようなことをミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチも利休も考えていたのだと思います。Donc c'est à l'époque que l'homme occidental et asiatique commençait à penser à l'unité primaire de l'architecture. はい。で、そういう茶室を私も作りたいと思って、今作ってる今山から木を切ってきたとこです。Et c'est pourquoi le pavillon de thé m'intéresse. はい。Et vous voyez donc dans cette image que je suis en train de récolter un arbre à utiliser pour la construction d'un pavillon. はい。今まあ私の家がこの辺にあるんですが、友達と一緒に今作ってるところですね。Il a été construit dans mon village natal. On voit au fond ma maison natale et je suis en train de bâtir le pavillon avec des amis. はい。で、これは私の学生と子供の時からの幼馴染の地元の大工さんとずっと一緒に作っております。大工さんですね。プロと学生で。Alors donc, ce sont des amis, également des professionnels, charpentiers professionnels, amis, et également des étudiants, ces étudiants.On participait à la construction. それで作ってる最中は足場がありますし幕があったのであんまり高さが分からなかったんです。Et pendant la construction, à cause des échafaudages et des toiles, je ne me rendais pas compte que le pavillon était très haut. で出来上がりまして、職人たちが全部この足場を取って、帰って。で私は一人現場に残されて本当に驚きました。À la fin des travaux, les charpentiers ont démonté les échafaudages. Ils sont tous partis. Je suis resté tout seul devant ce pavillon. はい。Et j'étais totalement stupéfait. これ今もうみんな帰った後なんですけども、登ろうと思ったんですが倒れると思ったんです。
il était tellement, tellement élevé que j'avais peur de monter dessus. J'avais peur que le pavillon allait tomber. でも倒れてしまってはもうその前の苦労が消えちゃうので、とにかく写真を慌てて家に帰ってカメラを持ってきて、とにかくできたっていう写真だけ撮ろうと思って撮った写真がこれです。Bon, pour éviter le désastre, j'ai décidé de rentrer à la maison pour prendre mon appareil photo et de la prendre en photo comme comme une preuve. それで倒れてもいいようにヘルメットをかぶってここからこう上がったわけです。え、どうですか?え?倒れてもいいように。倒れにここ上がってヘルメットをかぶってね、倒れて。ああ。こう上がった。Par prudence, je suis monté en portant un casque. それで上がってこう一歩踏み出すとそちらにずっとこう傾くわけです。ふとこう身をしゃがめると止まります。 À chaque pas à droite, le pavillon penchait vers la droite. Et en restant immobile, le pavillon trouvait un équilibre. Et à chaque pas à gauche, le pavillon penchait à la gauche. で、実はあの、大体人が入ると大体10センチくらいこう移動しますが、まあ、今のところですね、4人くらいまでは大丈夫です。Et j'ai constaté que l'amplitude du mouvement était environ 10 cm. Plus ou moins 10 cm et la maison, le pavillon peut accueillir 4 personnes. で、まあ、全員が入ってからみんながじっとするとそこで安定します。Donc après l'entrée de 4 personnes et si toutes les personnes restent immobiles, le pavillon arrive à trouver l'équilibre. で、これが結構知られるようになっていろんな外国からも こういうものを作ってほしいという依頼があって作っております。Ce pavillon de thé a attiré l'attention de plusieurs médias et depuis je conçois et construis des pavillons de thé également à l'étranger. はい。あ、ですね。この景色は僕は本当に大好きです。 で、ここから煙がこううまくいくと出る。 J'adore cette apparence et la cheminée implique la présence de feu foyer à l'intérieur. はい。あ、これはあの、見た。これがあの、私の最初の作品です。 Vous voyez bien mon premier ouvrage, le musée pour la maison de prêtre. はい、次どうぞ。あ、これはあの、ロンドンのビクトリアン&アルバートの美術館に頼まれて作った茶室です。C'est un petit pavillon de thé réalisé pour le musée Victoria Albert à Londres. これは今あの、アメリカへ移されて保存されています。 Il a été transporté aux États-Unis et conservé chez un millionnaire. はい。あ、これ中ですね。Vue d'intérieur. 炭をつけております。 Vous voyez donc les petites pièces de charbon. はい。あ、これはあの、台湾で湖に作った茶室です。 C'est un petit pavillon de thé flottant sur un lac privé. La structure de la barque, c'est
C'est en béton, c'est le ferro-ciment. コンクリート船というのはコンクリート建築よりも全く同じ時期からずっとフランスで発達したものです。 Et vous savez très bien que les barques en ciment armé, béton armé, a été développé aussitôt que les bâtiments en France par Monnier. Oui. De この屋根を作ったんですけども、これの屋根が実は問題を起こして、風が吹くとヨットの帆と同じ働きをして、どんどんこういうところに突っ込んでしまうんです、流されて。 Et après la réalisation, j'ai constaté que la toiture posait des problèmes. Il recevait le vent comme le voile. Et c'est pourquoi en fait elle travaille à fond pour éviter que la barque, le pavillon, vont vers la berge. Vu de l'intérieur. Et un autre pavillon de thé réalisé pour le même client. Cet ouvrage comporte les bambous les plus géants du monde. C'est un type particulier en Taïwan. これは空飛ぶ茶室というのを作りました。これを作ってびっくりしたのはですね、やはり建築の影が真下に落ちるっていうのを見て感動しました。 C'est toujours un pavillon de thé, une barque volante en bourbe. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'on voit l'ombre au-dessous de l'architecture. Avec mon ami Toyo Ito à gauche. Cette photo montre l'ensemble de la structure. C'est la vue d'intérieur. On voit que la structure et la finition sont faits en bois. Le bois est un matériau très, très efficace. Il est très résistant et très, très léger. On peut faire quelque chose de très expérimental, audacieux. 8人くらいが入れますから、相当楽しく使えます。 Il peut accueillir 8 personnes. これは台湾で美術館の庭に屋根から吊って作った茶室です。 C'est un autre pavillon de thé réalisé en Taïwan, suspendu à partir de la toiture d'un musée. Donc, accès par échelle. Vu de l'intérieur, j'ai bien apprécié l'ombre et il est devenu très très populaire à ce musée. ごめんなさい。私は空想的っていうか都市の未来を考えることが大好きで、
これはあの100年後の都市というテーマで考えたものです。Bon, la présentation des pavillons d'hôtel, c'est fini. J'aime bien imaginer des villes de futur. C'est une image montrant Brasilia 200 ans plus tard. Brasilia, non, ここだけは一応記念的に残して、周りの建物はもう消えまして、こういう新しい建物、これはあの玉ねぎ小学校。La partie monumentale de Brasilia, bien sûr que ça va être conservé. Et j'installe des bâtiments végétales. これはバナナホールですね。Halle de banane, école d'oignon. これはアスパラ住宅と言います。Des bâtiments d'habitation en asperge. これはあの人参オフィスビルっていう。人参なんですか？オフィスビル。Bureau en carotte. あのおそらくですね、あの人間とあの植物の中で、あるいは自然、まあ、植物の中でですね、一番人間に近い植物が野菜なんです。当たり前ですけども、人間が改良したものですから、まあ、それで都市を作ろうという、まあ、そういう考えです。Bon, si je m'inspire de végétaux, c'est parce que ce sont des plantes très proches de l'homme, améliorées au fil des siècles par l'homme. で、100年後におそらく地球がですね、人口の増大等で、食糧危機になっても、この都市の人たちは生き残ることができます。Et dans 100 ans, il est possible qu'une grave pénurie alimentaire se produise. Les habitants de cette ville peuvent survivre grâce aux végétaux mangeables. L'idée est de manger les végétaux. Pas parce qu'il suffit de manger des éléments architecturaux en végétal.以上ですけれども、最後にですね、まだできたばっかで、まだ発表していない作品の最新のものを皆さんのために、発表したいと思います。世界で初めて、です。この今作った新しくできたやつを発表します。Et enfin, je vous présente un ouvrage.En cours d'exécution, presque achevé, pour la première fois dans le monde. C'est un ouvrage qui n'est pas encore publié dans une revue. Oui. これがあのお菓子のメーカーのための食品を売るとこ、お菓子を売る場所ですけども、大変あの大きな施設で、ここが駐車場です。だって400台くらいの駐車をします。C'est un espace de vente pour un fabricant de gâteaux biscuits au Japon. Il peut accueillir 400 voitures. で、ここにこの建物、これはあの芝生が割ってるんですけど、まだあの写真を撮った時では芝生がまだ枯れた状態ですけども、今頃は緑になっています。La partie droite en bas, c'est la toiture du bâtiment. Il est planté, il est recouvert de pelouse, mais lorsque j'ai pris la photo, il n'était pas encore bien vert. Et vous voyez donc des éléments pour l'entretien, également pour l'alimentation des eaux.はい、あ、こういう前景で、これがだいたい50メートルの長さあります。
La largeur fait à peu près 50 mètres. はい。あ、まああの大変あので上にまあ木が植わっててっぺんには木が植えてあります。Et au sommet, vous voyez des arbres plantés. Oui. Oui. Viombié. Oui. Ah, これがあの回廊で、回廊ですね。これはあの土をあのここの会社の社員と学生が塗っております。Donc c'est le petit pergola devant le bâtiment. Le mur a été réalisé par des amis et des étudiants. D'accord. Donc la partie, le mur et le plafond que vous voyez sont réalisés en béton armé. Et le reste, la partie gauche, est en bois. はい、あ中に入るとおこれあの、まあ、床は大理石で天井には炭をつけております。Donc c'est la vue d'intérieur. Vous voyez des petits morceaux de charbon collés cette fois au mur et au plafond. はい、あのこれもやはり社員と学生がつけたものです。Et donc ce sont des employés de l'entreprise, des amis et des étudiants qui l'ont réalisé. これあの社長の奥さんがですね、自分の名前をここへ書いたら社長が怒って周りにいっぱいつけてわからなくした。À vrai dire, la femme de président de l'entreprise a écrit son nom avec des petites pièces de charbon, mais le président fâché l'a effacé en installant énormément de charbon aux alentours. Oui. これはあのお客さんがお菓子を食べながらお茶を飲む場所です。Donc les visiteurs peuvent déguster des gâteaux en prenant un thé dans cet espace. Oui. Ah, これはあの社長の応接お客さんと会う場所です。C'est la salle d'accueil du président. Oui. あのこれが暖炉ですけども、ここにこう変なものがついてますけども。あのこれは必要なかったんですが、テーブルをこれはあの栗をの大きな板を使って作ったんですけれども。Vous voyez donc le foyer au fond et la table en bois de châtaigne et la partie centrale en cuir. C'était pas forcément nécessaire, mais. でこれはあの。ちょっとこのこちらのデザインがあの違うって感じがして一致させるためにここで革のこうを貼ったわけです。Et si j'ai installé cette bande en cuir, c'est pour harmoniser la table aux chaises aux alentours. で、あのここはあの社長とお客さんが会うんですけれども。トラブルがあったりするとどちらかが謝らなくてはいけないわけです。Donc c'est un espace d'accueil du président. Il accueille quelqu'un et en cas de problème, soit le président, soit l'invité doit s'excuser. 日本にはあの謝る時のルールがありまして、必ずこう頭を下げるんですけども、低く下げれば下げるほど。Et lorsqu'on s'excuse au Japon, il faut baisser la tête. Plus on baisse la tête, plus ça donne l'impression qu'on est sérieux. Donc,
Bon, donc lorsqu'on s'excuse à fond, on peut bien profiter de cette bande qui ne fait pas mal à la tête. Et lorsque je l'ai expliqué au président, il s'est éclaté de rire. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai une question. Il y a deux ou trois photos dans la salle pour les clients où les clients pouvaient boire du thé. Il y a un très beau lustre et je me demandais en quoi il était fait. Tu parles de ça ? Cette photo, salle. Ce lustre-là, comment il est fait ? Enfin, c'est quelle matière, le lustre ? Le lustre, c'est quoi ? Éclairage ? C'est la lampe au-dessus ? このランプのこの材料は何ですか？あ、そうですか。これはですね、発泡スチロール、スタイルフォームって、スタイルフォームを削って、その上に薄くセメント系の材料を塗ってある。でその時にセメント系は割れますので中にこう網を入れてでセメント系を塗ってその上最終的な仕上げはプラス漆喰をやってます。なるほど。ということはその船の構造と、じゃあちょっと書く。Bon, en fait, le matériau, le cœur, c'est du polystyrène. Et au-dessus, donc il est en train de dessiner le cœur en polystyrène. Et au-dessus, on applique l'enduit du ciment. これは当然このモルタルが割れますので、ここにステンレスの網が入っています。 D'accord. Donc le cœur en polystyrène 30 cm, enduit de ciment 10 mm. Et pour éviter les fissurations, il y a une maille en acier inox installée au-dessus de polystyrène. Donc c'est une sorte de structure monocoque, bon, utilisée souvent aux avions et aux bateaux, et ce n'est pas grave que le cœur, le matériau de cœur soit mou, parce que il se trouve auprès de l'axe neutre,
qui n'est pas très sollicité. Par contre, ce qui compte, c'est de réaliser une adhérence parfaite entre le cœur et le matériau extérieur. Et pour cela, j'ai appliqué un type de colle spéciale qui a été développé au Japon. Ok, merci beaucoup. La taille de lustre, c'est ça ? 3 mètres par 1 mètre 20, 50 ? 1 mètre 50. ここはやはりステンレスの非常にあの目の細かいメッシュっていうあのものがありますけども、それをやってどれくらいの細かさですか。このくらいの本当に薄いやつで、こういう斜めになってるのなんて知ってるかな。ここで使ってるやつの本当細っちゃいやつ、それをこうまず巻いて、 Donc le principe de barque et le lustre, c'est à peu près pareil. L'important, c'est d'utiliser des mailles très très fines et d'appliquer de la peinture spéciale, très adhérente. その特殊な材が日本で20年ほど前に開発されて、結構今は多くの人がモルタル、例えばガラスの上に漆喰を塗ることができるんですよ。Cette peinture spéciale a été inventée au Japon il y a à peu près 20 ans. Aujourd'hui, il est devenu assez populaire. Cette peinture permet par exemple d'appliquer au-dessus d'une plaque de verre, du plâtre. Oui, bonsoir. En fait, je voulais vous parler de ce côté international dont vous avez énoncé le début de l'exposé, le néolithique, puisqu'on est parti de ça. Et je me demandais ce que vous pensiez du langage aujourd'hui informatique. Est-ce que ce n'est pas un langage qui permet de retrouver ce côté, je veux dire, organique des formes ? Parce qu'il y a toujours la question de l'organisme et du corps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le squelette. C'est un peu ce qu'on vient de voir là. Mais est-ce que ce côté international dont vous nous parliez, c'est quelque chose qui peut... aujourd'hui, que vous pourriez voir dans le langage informatique, puisqu'on a de plus en plus de formes qui n'ont pas l'air d'avoir des joints, justement, et qui sont comme des pierres ou comme des organismes. っていうのはそこをあんまり考えなかったんですけども、人が人を見た時に何を見るかっていうと、皮膚の様子を見てるんです。それで健康かとかどうかとか、まあどういうどの腸の人とか、ものすごく皮膚、つまり一番表面のテクスチャーっていうのはものすごく建築にとって重要なんです。だからその問題が私には一番の関心で、 Bon, je pense que c'est tout à fait possible que le design informatique arrive à produit
un design sans joint organique. Mais ce qui compte pour moi, c'est pas la forme elle-même, mais la texture. Et inconsciemment, sans conscience, lorsque un homme rencontre quelqu'un, on observe d'abord la peau. Et à partir de l'état de peau, on devine l'état de santé ou d'autres choses. Non. Donc, c'est pourquoi, en fait, le matériau elle-même est beaucoup plus important pour moi. C'est pourquoi j'utilise les matériaux naturels très rugueux. それでいいと思います。あの、そうですね。 昨日あのパリのルイ・ヴィトンを見てきたんですけども、彼の作品の中では僕はビルバオの方が優れていると思いました。 Je suis allé voir hier la fondation Louis Vuitton à Paris. Mais à vrai dire, je préfère le musée Guggenheim à Bilbao. それはやはりあの Parce que je ne trouve pas l'utilisation des verres très correcte. De Bilbao wa gozonji no youni titan o tsukatte mashite, titan tte no hikouki no zaiyou desu kara, fijouni aiyu 自由な形に元々合ってる材料なので、ガラスはおそらくああいう自由な形にはやるためには非常にこう構造に対して無理ながいくんだと思いました。 Contrairement au verre, le titane que Franck Gehry a utilisé pour le musée Guggenheim est un matériau très malléable, utilisé souvent aux coques d'avion. Et je pense que l'emploi de titane est plus convenable à la réalisation de l'architecture organique. あの、私はですね、現代建築の動向っていうのにものすごく興味がありまして、私の一番お互いに親しいのが伊藤豊なんですけども、 伊藤さんとよく話をするのはですね、言ってみれば正反対をやってるわけですね、伊藤と私は。だからいずれ将来一致するところがあるんじゃないかというようなことを話しております。 Je suis bien curieux de la tendance architecturale d'aujourd'hui et ma direction est actuellement très opposée de celle de Toyo Ito, mais nous nous demandons si un jour on arrive au même point. D'autres questions? Bonsoir. Merci pour le voyage. Ça a été très, très bien. Et je me demande, par rapport à la tristesse de nos villes, on a vu des architectures qui sont heureuses, je peux dire, et qui transmettent une énergie tout à fait bonne. Et je me demande comment faire la ville avec cette énergie de partage, de participation et de bonheur. Je me demande c'est le monsieur, il y a la question pour faire nos villes moins gris. Et voilà. Moins gris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire moins triste. Moins triste. Moins monotone, moins banal, quoi. Tu
その都市、そのモノトーンな、はい、その、はいはい、都市、そう物がなし、その都市をなんか救う手立てはあるんでしょうかと。そうですね。まあ、いや、あの私の身の回りくらいだったらなんとかなりますけど、あの全体はやっぱり難しいと思います。 Bon, je pense pouvoir améliorer un tout petit peu autour de moi, mais je ne pense pas pouvoir sauver les villes monotones. Bon, comme il est déjà assez tard, 9h05, on va finir. Si vous voulez continuer à discuter avec lui, vous pouvez venir lui poser des questions. Bon. Merci beaucoup d'être venu. Allez.